Ông quay cho. Ông dùng chụp đẹp cả bản to, cái chụp đẹp cả để tiệm thi xã bản cả. Hãy nâng phục cố là vị trí cả từ cổng đầm năng thật riêng nha. Làm bây mình nóng cả, tăng thông lốt đánh đau dịp vô. Nó sẽ xây rụng đi. Hãy một nâng phục cố nâng đầm năng cả, ông chụp đẹp xong ở đầm năng thật riêng nha ta. Hàng cầm robot lục nâng tay cao nhằm nai pì liều bằng màn tiết nông ca thu đỉnh đầu xã thay rùm đi. Merci, Monsieur le Président. Justement, je comptais m'adresser à la Chambre à ce propos-là, puisque ce matin, nous avons connu divers retards en début d'audience et puis pour des raisons techniques. Dès lors, il ne me semble pas possible de couvrir l'ensemble des points que je voulais aborder avec Monsieur le témoin aujourd'hui et je voudrais demander à la Chambre de pouvoir poursuivre dans la matinée demain, tout en sachant que j'essaierai d'être le plus bref possible, mais les progrès sont relativement lents. Et donc, ce que je pourrais dire, c'est que nous aurions besoin de la matinée, que en tout état de cause, nous terminerions au plus tard à midi demain. L'accord que nous avions avec les parties civiles initialement était que nous couvrions deux jours sur les deux jours et demi et que les parties civiles prendraient la matinée du troisième jour. Si ma requête, si l'effet droit ma requête, je souhaiterais évidemment que le temps des parties civiles ne soit pas affecté, bien entendu, par la possible extension de temps dont nous bénéficierons si nous l'accordons. Je vous remercie. Ông chủ nhiệm mình ở nhà tạm tạm là xong thì tại ông chủ nhiệm đang xong vĩnh từ cái bị liên mình máu đây mình cả ở đâu đây phải nhà phải chạy cái gì phần nào Je vous remercie, Monsieur le Président. Si je peux maintenant continuer avec mes questions au témoin. Ce matin, Monsieur le témoin, vous avez parlé du fait que vous aviez un membre de votre belle famille qui s'appelait Hong, qui avait été temporairement envoyé au ministère et par la suite arrêté par Pang. Je voudrais clarifier ce point en me référant au document D233-2, qui est donc un de vos procès-verbaux d'audition que vous avez en main et avec l'accord de la Chambre et du Président. J'aimerais que l'on puisse montrer la toute dernière question de ce document au témoin et que je puisse qu'on puisse également l'afficher à l'écran.
Merci. Alors, je ne vais pas lire l'entièreté, mais c'est une question qui portait sur des réunions du ministère des Affaires étrangères auxquelles vous auriez participé avec M. Yingsari et ayant pour objet des purges intérieures. C'était la question qui était posée. Et vous avez répondu ceci à peu près au milieu de votre réponse. Je cite, pendant les réunions, je n'ai jamais accusé personne, et même M. Yingsari n'a jamais accusé personne dans le ministère des Affaires étrangères. Il n'y avait que les gens de l'extérieur qui ont accusé le ministère des Affaires étrangères. Par exemple, mon ex-professeur nommé Van, nom d'origine Chia Hoon, chef de la zone nord-ouest, muté au ministère des Affaires étrangères, a été arrêté plus tard. Un autre prénommé, Kem, secrétaire d'un district de la région de Pratchier et frère aîné de mon épouse qui devait venir travailler au ministère des Affaires étrangères a aussi été arrêté. Il en était de même pour M. Mektouch alias Ken qui était un intellectuel, M. Touch Kamdun, In Sokan, etc. Et je vais m'arrêter là. Alors, ma première question est de savoir si vous maintenez ce que vous avez dit, ce que j'ai lu maintenant devant les juges d'instruction. Est-ce que c'est bien ça que vous aviez dit devant les juges d'instruction? Oui, c'est ខ្ញុំរក្សាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយោបល់បន្តិចពីដើមឡើយការសាកសួរនិងការសរសេរចិញ្ចាឯកសារនេះខ្ញុំច្រើនប្រើពាក្យគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែខ្ញុំពិចារណាទៅពាក្យនេះវាច្រើនតែប្រើគ្រប់គ្រប់តែគ្នាឲ្យតែអ្នកណាឲ្យធ្វើអីតិចតួចអីគេថាគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយជានយោបាយក្នុងពេលនេះខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំមិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំជាអ្នកជួយការងាររបស់ Merci. J'ai une question parce que tout à l'heure vous avez parlé de Hong, qui faisait partie de votre belle famille. Et ici, vous parlez de Kem. Vous dites qu'il est le secrétaire d'un district de la région de Pratchier et frère aîné de mon épouse. S'agit-il d'une autre personne ou de la même personne dont vous nous avez parlé tout à l'heure? ខ្ញុំទឹកនឹងនឹកឃើញពេលនេះឈ្មោះហុងគឺឈ្មោះដើមរបស់គាត់ឈ្មោះក្នុងបដិវត្តន៍ហៅថាខឹមមែនសិ Il avait été amené au ministère des Affaires étrangères et par la suite arrêté. Bon, je ne sais pas.
Monsieur le Président, je voudrais maintenant m'en référer à un autre procès verbal d'audition, qui est le D369-36, à la réponse 56 fournie par le témoin aux enquêteurs des juges d'instruction. Si on pouvait projeter cette réponse à l'écran et également indiquer sur les documents où se trouve cette réponse, j'en serais reconnaissant. Voilà, alors la question 56 était, pourriez-vous nous citer les noms des personnes qui ont été amenées pour travailler au ministère des Affaires étrangères? Et vous avez répondu, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait par exemple mon beau-frère qui a été amené pour travailler au ministère des Affaires étrangères, mais en fait il devait disparaître soudainement. Mon beau-frère était affilié à Koytoun. Fin de citation. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant les raisons pour lesquelles votre beau-frère aurait été amené au ministère des Affaires étrangères, puis arrêté? Bạn mua là hai ní nhóm ọt đăng tế mà đăng dễ rương ấy tế. Bạn là nhóm đăng tha còn ní nâu bọn thầy nhóm ní nâu chữ muối nâu phùm phía bày rồi buôn đá khuôn ní tổ tua khổ trâu. Qu'est-ce qu'on entend par le terme affilié à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela voulait dire sous le régime du Kampuchea démocratique? Être affilié à Koytoun. Je ne vous demande pas des détails sur ce que votre frère, beau-frère aurait fait, pas du tout, mais juste le terme, être affilié. ពាក្យថាជាប់ខ្សែនេះគឺខ្សែបដិវត្តន៍ពាក្យបដិវត្តន៍នេះមានពាក្យមួយគេថាខ្សែដែលចូលខាង 304 គេហៅថាខ្សែ 304
ដូច្នេះគឺលោកមិនស្គាល់ខ្សែទេសូមជម្រាប Je vous remercie. Je vais en revenir alors à la précédente réponse que vous nous avez dit avoir confirmée et vous aviez cité dans cette réponse tout à l'heure. L'ex-professeur nommé Van, nom d'origine Chia Hun, chef de la zone nord-ouest, muté au ministère des Affaires étrangères et arrêté plus tard. Est-ce que c'était également donc une personne qui travaillait à l'origine à l'extérieur du ministère et qui avait été amenée au ministère provisoirement? Batman. Est-ce que de manière général, vous avez pu constater que cela arrivait souvent que Pang amenait des gens qui étaient des cadres ou qui occupaient d'autres fonctions mais qui venaient de province pour être affectés temporairement au ministère des Affaires étrangères. Batman. Et hier, à la réponse 21 du document D-369-36 qui vous avait été lu, que vous avez confirmé, il était dit à B1, on avait mis de côté les gens dont la biographie n'était pas nette. Et je ne sais pas s'il est nécessaire de remontrer le document ou si je peux directement faire une courte citation de ce qui a déjà été montré hier, comme vous le souhaitez, Monsieur le Président. Je vais donc relire ce qui avait été confirmé par le témoin hier. Et je cite AB1, on avait mis de côté les gens dont la biographie n'était pas nette. Et après qu'on a enquêté sur eux, on les saquait et on les envoyait ailleurs. Alors ma question est la suivante. Une fois qu'ils arrivaient au ministère des Affaires étrangères, qui procédait aux enquêtes? Est-ce que c'était des enquêtes qui étaient diligentées au ministère ou à l'extérieur du ministère? Merci. Pouvez-vous nous aider à comprendre alors pourquoi on les envoyait temporairement au ministère et pourquoi ces personnes n'étaient pas plutôt arrêtées directement et envoyées dans un centre de sécurité plutôt que de transiter au ministère? Connaissez-vous les raisons pour lesquelles elles devaient absolument transiter au ministère des Affaires étrangères?
Nhóm khơi tha cơ xuống ca bò tử tế khâm yên à vô tỷ. Ất miên à vô tục tỷ. Et en quoi est-ce que cela rendait nécessaire le fait de faire transiter ces personnes provisoirement par le ministère des Affaires étrangères, le fait qu'il n'y avait pas d'armes au ministère? Merci. Tout à l'heure, dans l'extrait de votre réponse à la question du document D233-2, toujours le même, vous avez donc cité d'autres noms. Il y avait Mick Tuch alias Kem. Vous l'avez décrit comme un intellectuel. Saviez-vous quelle était sa fonction exacte avant qu'il soit emmené ou arrêté par Pang? Nhóm ọt bàn đăng mục nghĩa chạy lẹ tì. Qu'en est-il de Tuch Kham Deun? Est-ce que vous connaissiez son rôle à ce moment-là, avant qu'il soit arrêté? Tuch Kham Deun va quoi tế, mon pê lê quát trai bàn kì chạp klu nô. Nhóm ọt bàn skoal tì. Et concernant Tuch Pun et In Sokan, est-ce que vous connaissiez leurs fonctions avant qu'ils soient arrêtés? Leurs fonctions à l'extérieur du BN et aussi éventuellement les fonctions qu'ils avaient prises dans le ministère? Khnyom skwal tae mok mot nang ka ngie robos kwat. Ka ngie robos kwat dai kwat thoe. Tại tuần này tí, ọt miên bạc cá thật thư ấy tê. Mais vous venez de dire que vous connaissiez, disons, le travail qu'ils accomplissaient. Est-ce que vous pouvez nous dire quel travail ils étaient chargés d'accomplir au sein du ministère des Affaires étrangères? Et alors je parle ici de Mick Tuch, de Tuch Pun, Tuch Kham Deun et In Sokan. Tuch Kham Deun hay nang In Sokan. Sống bị chạm lòng tiền là oui, vous avez dit que vous ne connaissiez pas leur titre, leur fonction exacte, mais que vous saviez quel travail, quels travaux ils étaient. Ils menaient au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc je voudrais savoir quelles tâches ces personnes accomplissaient au sein du ministère des Affaires étrangères avant qu'elles soient arrêtées. Tam khnyom cham kwat doy chea mau samra hai mien ka ngie ai trư trư thuen tịnh tuoch kot chuoy doy chea chuoy sa se ai chang tư
Hay càng nghe ai mùi tiết đại trừ khoa khía có tới càng nghe mùi tiết tử bị pru phê nu trừ tại chuối khía nè na che ấy chuối nâng chuối bàn tách thử tách chuối bàn trơn thử trơn miền tua nè ti ấy cho ba lo tê Est-ce que parmi ces personnes que j'ai citées, avant de rejoindre B1, y avait-il d'anciens ambassadeurs? Ce matin, en plus des noms que j'ai cités dans cet extrait que vous avez confirmé, il y avait un autre extrait qui vous a été lu de votre procès-verbal d'audition des 91/15. Et je vais essayer de retrouver les sirènes tout de suite. Vous aviez mentionné également le nom de In Lorn alias Nat. Est-ce que vous saviez qui était In Lorn alias Nat? Alors, pour préciser, c'est le document D91/15 D231/2. L'IRN en français s'est allé sur deux pages, 0052-43-53-54. En anglais, 0036-10-14, et en khmer, 0020-41-00. C'est la deuxième question du document. Il était posé la question de savoir si le témoin connaissait un certain nombre de diplomates, dont In Lorn. Voilà, donc c'est juste une question concernant cette personne qui était mentionnée dans la question et vous aviez répondu, tous ces noms, je les connaissais, donc y compris In Lorn alias Nat. Est-ce que vous pourriez simplement préciser quelle était la fonction ou quelles étaient les activités qui étaient menées par In Lorn alias Nat avant de rejoindre B1 et au moment où il se trouvait au ministère des Affaires étrangères? អត់ស្គាល់អិនឡូនប៉ុន្តែណាតខ្ញុំស្គាល់ប៉ុន្តែក្នុងឯកសារនេះដាក់អិនឡូនបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះអិនឡូនទេប្រហែលជាខ្ញុំមើលច្រឡំអីមិនដឹងឬមួយអ្នកកំណត់ហេតុ
ta sê tay lư lu ấy mà đắng nhom xong mình chạy thằng ấn lót nhom ọt squal bạn còn nát nhom squal bạn nhà nát nhom ọt đằng tí ọt đằng riêng ấy tí bạn nát nát tí merci nát était le nom révolutionnaire qu'il utilisait à l'époque. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les fonctions de Nat avant d'arriver à B1 et quelles activités il menait à B1 lorsqu'il est arrivé, en espérant qu'on parle évidemment du même Nat. Nat tam nhom dang ku tu niti chia yu thia. C'était un militaire, mais quelle fonction remplissait-il comme, en tant que militaire avant de rejoindre le ministère à votre connaissance? Merci. Dans l'extrait que j'ai eu tout à l'heure, vous aviez dit, vous avez confirmé que les accusations, venaient de l'extérieur. Et vous nous avez dit ce matin que c'était Pang qui venait arrêter les gens. Comment est-ce qu'on pouvait savoir que les accusations contre des membres du ministère des Affaires étrangères provenaient de l'extérieur? Qu'est-ce que cela voulait dire, provenir de l'extérieur? Néni, que pong mien omnaï. Hai, yok, manu, pilna, koban. Mais sur quelle base Pang pouvait dire qu'il fallait prendre telle ou telle personne? Est-ce qu'il y avait des documents, par exemple, qui le disaient? Monsieur le témoin, Yang Sari, en tant que membre du comité permanent, du comité central, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il recevait des informations, par exemple des aveux des prisonniers ou des rapports sur le contenu d'aveux au ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'il recevait ce genre d'informations? Est-ce que Yang Sari a convoqué des réunions pour parler de ce problème, des arrestations de personnes au ministère des Affaires étrangères?
Monsieur le Président, je souhaiterais que vous demandiez l'autorisation de poster à l'écran une réponse donnée par Monsieur le Témoin dans le procès-verbal d'audition D233-2. Il s'agit en Khmer de la page 0035-75-31, en français 00-40-54-57, c'est la page 7, et en anglais également la page 7, IRN 00-36-10-14. Alors la question qui était posée était la suivante. Certains témoins ont dit que concernant le rapport portant sur les mises en cause contenues dans les aveux, Dutch l'avait envoyé au bureau 870. Puis le bureau 870 l'a renvoyé à M. Yengsari. Que pensez-vous de cette affirmation? Comment M. Yengsari a-t-il géré cette affaire? Et vous avez répondu ceci, je cite, oui, je le savais. Monsieur Yengsari a organisé une réunion au niveau des dirigeants du ministère pour en parler. Mais je n'étais pas au courant de la décision prise par Monsieur Yengsari. Parfois, il faisait triste mine. À ma connaissance approfondie, c'était que le comité central avait désigné M. Son Sen pour être responsable de la sécurité. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela aux juges d'instruction, aux enquêteurs de juges d'instruction? บาดខ្ញុំបាននិយាយគឺថាគេយកមកលោកដឹងហើយគេឲ្យមកផ្ញើគឺលោកដឹងបើលោកមិននៅខ្ញុំក៏ជម្រាបលោកដែរគេយកមនុស្សមកផ្ញើហើយអ្នកនេះអ្នកនោះដូច្នេះលោកត្រូវតែដឹងឯការយកមកផ្ញើលោកទទួលតែការយកទៅវិញទៅណាទៅណា nous, l'autre, on d'un thé, nous, on d'un thé. Sommes-nous? Est-ce que vous pourriez nous dire quand, si vous vous en souvenez, cette réunion a été convoquée par Yengsari concernant les rapports sur les mises en cause contenues dans les avis? ដែលមាននៅក្នុងចម្លើយសារភាពខ្ញុំអត់យល់សំណួរលោកតំណាងថាប្រញ្ញាតាំងសំណួរអបាញ់មិញនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀត Dans l'extrait que j'ai lu et que, dont vous avez confirmé la teneur, il était écrit « Oui, je le savais, M. Yengsari a organisé une réunion au niveau des dirigeants du ministère pour en parler. Je voulais juste savoir à quelle période cette réunion avait-elle pris place. » ទៅណាទៅណាខ្ញុំនិងលោកត្រូវទទួលធ្វើការងារសតិអារម្មណ៍កុំអោយបងប្អូនភ័យភិតនេះជាការមួយដែលកុំអោយបងប្អូនខូចអារម្មណ៍មិនដឹងជាមានរឿងអីទេបានក៏យកទៅនេះទៅនោះនោះ
dương khom tập prang thư ca tư. Toujours à propos du même extrait, nous allons revenir à ce que vous venez de dire maintenant. Il était mentionné dans cet extrait que j'ai lu que le comité central avait désigné M. Son Sen pour être responsable de la sécurité. Est-ce que M. Son Sen a été responsable de la sécurité pendant toute la période avril 75, janvier 79, ou à un moment donné, y a-t-il eu des changements concernant la responsabilité de la sécurité? Rương ni khnyom ot dang te. Vous avez dit que tant Yang Sari que vous-même ne saviez pas où Pang emmenait les personnes qui étaient arrêtées. Je voudrais maintenant vous lire un extrait de ce même document D233-2 à la page en Khmer IRN 0035-75-30, en français 0040-54-56, c'est la page 6, et la page 7 en anglais, c'est-à-dire IRN 0036-10-14. Et je vais prendre 2 secondes parce que je ne retrouve pas l'extrait immédiatement. Je pense que je vais y revenir, j'ai dû faire une erreur dans la pagination, Monsieur le Président. Je voudrais alors revenir à ce que vous avez dit à propos de Pang tout à l'heure. Et à ce stade-ci, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, j'ai constaté que le témoin avait affirmé que Pang était venu au ministère des Affaires étrangères pour arrêter les gens à la fin de 1978, spécialement dans les 2 derniers mois de 1978. Or, au dossier figure la confession de Pang, S21, qui mentionne la date du 28 mai 1978. Il s'agit du document IS-5.14. Alors, je ne demande pas d'afficher ce document, ni de le montrer aux témoins qui ne l'ont sans doute jamais vu. Mais il me paraissait important de demander aux témoins si cette période de mai 1978 concernant l'arrestation de Pang pouvait lui rafraîchir la mémoire, ou s'il maintenait le fait qu'il avait vu Pang au ministère des Affaires étrangères à la fin de 1978. Sôm bên đất mưa cho nằm khai sôm chui.
Som bichak samnua nâng chanam oi chabah. Je parle de 1978. Est-ce que, comme je l'ai dit, la période d'arrestation de Pang qui apparaît au dossier étant mai 1978, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire par rapport à cette période d'arrestation, alors que auparavant vous avez dit que, par exemple, Bong Trabeck n'avait été transféré au ministère des Affaires étrangères qu'à la fin 78, et aussi vous avez dit que Pang était venu au ministère des Affaires étrangères probablement 2 mois avant que les Vietnamiens n'entrent dans la capitale. Est-ce que, donc, le temps qui s'est écoulé entre l'arrestation de Pang et l'arrivée des Vietnamiens n'était pas plus long que ce que vous aviez pensé? Somto, Panyhani, Knyom Aj Vyakwan Nang Rương Chanam Khai, Bantai Knyom Som Chum Riep, Đôi to tư nơi ca chọn trăm rồi bọc nhóm phía này. Phong bạc luôn tư mình đang mù hạt ấy tê. Phía phong bạc luôn tư nhóm nâng bọn yên giả rí tư chui riệp chấm nâu băng tập bay bà sầm tu băng tập bay ai hát ca ấy phong bạt khluôn nâng ấy ấy tiết sập hiệp ca mua là hát ấy là bỏ phong khi ông ở bàn đăng tê Je vous remercie. Nous allons revenir à Bong Trabeck plus tard. J'ai retrouvé l'extrait que je voulais lire tout à l'heure à Monsieur le témoin. Et donc, pour rappel, il s'agit du document D233-2 à la page 6 en français, au milieu de la page, à la page 7 en anglais et en khmer 0035-75-30. Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait afficher cette page et la montrer en copie papier à Monsieur le témoin? Alors la question qui était posée, c'était, il y a des témoins qui ont répondu que le ministère des Affaires étrangères avait reçu des aveux envoyés par le centre de sécurité S21. En étiez-vous au courant? Et vous avez répondu, je cite, oui, j'en étais au courant. On les a envoyés au ministère des Affaires étrangères.
Certains documents ont été gardés par M. Suong Si-kun, mais au moment de la fuite, ils ont tous disparu. À ma connaissance, la plupart de ces documents contenaient des faits fictifs. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que des aveux, comme vous l'avez dit, ont bien été envoyés par S21 au ministère des Affaires étrangères? Est-ce que vous confirmez cette affirmation? Saviez-vous si c'était Pang qui envoyait ses aveux ou si c'était quelqu'un d'autre? Khnyom mon dang non na phnyao te pantae khnyom ban khoeng neu kasuong. Pourriez-vous nous dire quels aveux exactement vous auriez vus au ministère? Ils concernaient quelle personne? Tam nhom cham chom lai sa ra phiep loi chi robos lok koy thuon. Et qui vous avez montré ces aveux de monsieur Koy Thuon? Ta nak na che neak banghan chu lok oy banghan oy khoy lok khoen pi chom lai sa ra phiep robos Koy Thuon ni. Pêle nous, nhom khơn, bong yên xà rí, quạt, dọc mộc, an, ôi xa đập. Est-ce qu'il en a donné lecture lors d'une réunion au sein du ministère des Affaires étrangères? Quand an nơi khănong cơ suông ca bò tê. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Est-ce qu'il s'agit alors d'en avoir donné lecture à l'ensemble du personnel du ministère ou dans un cadre plus restreint, dans une réunion avec seulement un certain nombre de cadres? Est-ce qu'en plus de lire ces aveux de Koy Thuon, est-ce que Yeng Sari s'est livré à des réflexions sur ses aveux et a-t-il fait des observations? Pêl an hai, tiang khnyom, tiang lok Yeng Sari, tiang nea, tiang ok khniek, mien sạch đây phật phẩy đôi khniek.
Et pourquoi aviez-vous peur? Est-ce que Yengsari, vous-même et tous les autres, étaient affiliés à Khoi Thun? Ban chia phat phai khnyom kut tha prahal thngai na muoy dol anh tiet hai à la suite de l'arrestation de Khoi Thun, pourriez-vous nous dire si au sein du ministère des Affaires étrangères, pour ceux qui avaient travaillé avec Khoi Thun, qui venaient par exemple de la zone nord, y a-t-il eu des conséquences? Nâng ca đại Việt Nam chỗ vừa rất tài phí chàng ọc nghĩa bằng to mơ. Merci. De quelle période parlez-vous exactement quand vous faites allusion à cette lecture des aveux de Khoi Thun et de l'attaque des Vietnamiens à l'époque? À peu près en quelle année on parle? Khnyom mình ban cầm nọt hết năm cho ba lo tê. ព្រោះខ្ញុំជាអ្នកផ្លិចច្រើនខ្ញុំកត់ត្រាដែរក្នុងសភើតូចរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែវារត់ហើយចោលអស់ហើយប៉ុន្តែវៀតណាមឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាតាំងពីណាពីណីមកប៉ុន្តែពេលនោះសភាពការវាកាន់តែជិតហើយវាកាន់តែឃើញថាគ្រោះអាសន្ន Juste pour clarifier, il y a eu plusieurs attaques, il me semble, des Vietnamiens. Est-ce que vous parlez de l'attaque finale de fin décembre 1978 ou plutôt d'une riposte ou d'une attaque qui aurait eu lieu beaucoup plus tôt en 1977? ឲ្យខ្ញុំសម្ដៅយ៉ាងដូចនេះមិនបានទេខ្ញុំសម្ដៅបានជារួមអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតបែកច្រើនពេកអត់បានទេគឺបានដឹងជារួមចឹងជូនលោក Toujours concernant cette affaire de Khoi Thun, est-ce que vous-même, après que Yeng Sari en effet lecture en réunion avec le cadre supérieur et intermédiaire au ministère, est-ce que vous avez présidé des réunions à Chreng Chamres à propos de l'arrestation ou de la traîtrise de Khoi Thun? ជំនួយការរបស់បងអៀងសេរីខ្ញុំត្រូវតែទៅធ្វើការងារសតិអារម្មណ៍កុំឲ្យបងប្អូនភ័យព្រួយ
Est-ce qu'il y avait à Srang Chamre spécialement des gens qui provenaient de la zone où Khoi Thun avait travaillé? Et par voie de conséquence, est-ce que, a priori, il pouvait être soupçonné d'affiliation à Khoi Thun? Que a-t-il ban que sang sai tha mien chop sai koi thun da re te neu chrang jamrae phiek chran keu neu phum phiek 304 keu khang bong koi thun Est-ce qu'en conséquence, il a fallu enquêter pour savoir si ou dans quelle mesure ces personnes étaient affiliées à Khoi Thun? Je vais reprendre ma question, Monsieur le Président. Et ce sera peut-être ma dernière question, je ne sais pas, vous me direz avant la pause. Donc vous avez dit qu'à Srang Chamre, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de la zone 304, la zone nord. Est-ce que dès lors, elles pouvaient être soupçonnées, a priori, d'affiliation à Khoi Thun? Et a-t-il fallu enquêter pour savoir dans quelle mesure ces personnes étaient proches de Khoi Thun et ce qu'elles savaient des activités de Khoi Thun? มันมีอัตติปุลไอ้ข้างอาวุธกันอาวุธกันไอ้จะอยู่ที่เต้โดยฉะนั้นคือมันมีขสายไอ้ได้ตรึ้ตึ้สืบเกตเต้ Merci. Monsieur le Président, est-ce que je continue jusqu'à 14h40 comme hier ou je m'interromps? Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Témoin, de confession ou d'aveu de S21 qui était transmise au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, transmission d'aveux de S21 qui impliquait des membres du ministère des Affaires étrangères? Est-ce que, par contre, vous avez pu être informé que certaines personnes du membre du personnel du ministère des Affaires étrangères avaient été impliquées dans des confessions, même si elles n'avaient pas été transmises au ministère lui-même? Monsieur le Président, je voudrais m'en référer
au document D233-2. Encore une fois, le même document. À la page en Khmer 00-35-75-30. ខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញឯមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការតំណាងរដ្ឋពលរដ្ឋតពួរដែលត្រូវនឹងចំណុចដែលត្រូវពិភាក្សាដេញដោលនេះដើម្បីជូនសាក្សីពិនិត្យដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការអាចដេញដោលបាន Oui, alors en français il s'agit de la page 5, c'est-à-dire 00405455, et en anglais, les pages 5 et 6, 00036-10-12 jusqu'à 10-13. Alors la question qui vous avait été posée, qui je crois est sur la page précédente en khmer, était concernait deux personnes, Kiet Chun et Chun Prasat. Et la question et la suivante, donc, un témoin a dit que deux personnes, à savoir Kiet Chun et M. Chun Prasit, avaient été mis en cause dans plusieurs documents. Mais M. Yang Sari a dit à Pol Pot que si on arrêtait ces deux personnes, il faudrait supprimer le ministère des Affaires étrangères. Étiez-vous au courant de cela? Est-ce que c'était cela qui était le motif de l'arrestation de M. Kiet Chun et Chun Prasit? C'était dû au fait que M. Yang Sari était une personne influente pour que ces deux personnes ne soient pas arrêtées. Je crois qu'il y a une petite confusion de traduction dans la formulation de la question en français. En tout cas, vous avez répondu. Oui, j'étais au courant, mais j'étais aussi inquiet pour moi-même. Mais je ne savais pas qui avait inventé cette histoire pour les accuser. Il est vrai que les deux personnes avaient été défendues par M. Yang Sari. À ma connaissance, ce n'était pas seulement M. Yang Sari qui les a défendues, mais aussi Pol Pot. Donc, confirmez-vous ce que vous avez répondu à cette question concernant le fait que Kiet Chun et Chun Prasit aurait été mis en cause dans plusieurs documents. Qu'est-ce que cela veut dire être mis en cause dans plusieurs documents? បុគ្គលិកជំនួយការឲ្យបើឯកសារវិលរហូតទេមើលណាឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកអាចតេតងជាមួយនឹងតំណាងសហប្រេញ្ញាដើម្បីកំណត់អីច្បាស់ច្បាស់លាស់ទេចំណុចណាមួយដែលត្រូវលើកមកពិភាក្សាដេញដោលបើវិលរហូតចឹងទៅឲ្យអ្នកតាមដានឯកសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងមើលមិនទៅ Monsieur le Président, je faisais référence à la question qui avait été posée au témoin dans le procès-verbal d'audition D233-2. Et le début de la question était, un témoin a dit que deux personnes, Kiet Chun et Chun Prasit, avaient été mis en cause dans plusieurs documents. Et je cherche à savoir ce que veut dire
être mis en cause dans plusieurs documents sous le Cambodgia démocratique. Et peut-être que je reformule alors la question, est-ce que être mis en cause dans plusieurs documents voulait dire être accusé par qui que ce soit sous ce régime? សាកសិកមកអត់ទាន់ឆ្លើយសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារក្តីលោកអៀងតារីប៉ុន្តែអង្គជំរះសូមជំរាបនឹងរំលឹកលោកថាលោកមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការចំទាស់ទៅនឹងការតាំងសំណួរដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការចំទាស់លោកខ្លីបានហើយអង្គជំរះមិនបដិបត្តិដោយឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងវែងដោយអ្វីដែលលោកធ្លាប់ធ្វើពីដូចជាប្រឹកមិញនោះទេ Very well, Mr. President, and good afternoon. Again, out of principle, this is quite leading in nature. Now, I understand the frustrations the council is feeling, but it is leading. And if it's going to be permitted, and I have no objections to that, then some leeway should be given and granted to the other side. Because he's asking, what does this mean? And he gives him the answer. That's why it's leading. It suggests the answer. សូម ជើញ លោក តំណាង សាធារ ញ្ញា សំណួរ ចុង ក្រោយ ហើយ មុន នឹង សម្រាប់ តំណាង សាធារ ញ្ញា អន្តរជាតិ Merci monsieur le président. En fait, effectivement, je parlais de cette portion de la question qui était être mis en cause dans plusieurs documents, mais si l'on lit la suite de cette question, je crois que la question que je pose au témoin n'est pas déplacée, parce qu'immédiatement après, les enquêteurs ont demandé, mais M. Yang Sarri a dit à Pol Pot que si on arrêtait ces deux personnes, il faudrait supprimer le ministère des Affaires étrangères. Donc, bien entendu, il s'agit de mise en cause dans plusieurs documents, et visiblement, on parle d'arrestation. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question de savoir s'il s'agissait ici de documents qui auraient accusé ces deux personnes. Bah, khnyom yul tha aikasa ni kư chi aikasa dal te luy khnyom ton yul khnyom song pi kru som chœy luk metavi អន្តរជាតិការពារក្តីលោកនួនជា Thank you very much, Mr. President. While the witness is consulting his lawyer, maybe just for the record, there is a discrepancy between the English, the French, and the Khmer translation of the answer the prosecutor just read. Maybe the prosecutor can clarify this. In the English version, as far as I understand it, in the English version of the answer to this question, the question read out by the prosecutor, he said he did not know about the incident. So maybe the prosecutor can help us to clarify this discrepancy. បាទអរគុណអញ្ជើញតំណាងសាធារណៈ
Je pense, Monsieur le Président, que je ne peux pas répondre immédiatement. Je crois qu'il faudra s'en référer à l'original en khmer, puisqu'il y a une différence apparemment de traduction entre le français et l'anglais. Et je ne suis pas capable de lire le khmer, donc je pense pouvoir faire ça durant la pause et revenir par la suite avec des explications. Je vous remercie. បាទឥឡូវដល់ពេលសំលមមនឹងសម្រាប់ដែរហើយមុននឹងសម្រាប់នឹងខ្ញុំរះសូមសួរទៅភិក្ខុដទៃទៀតដែលមិនទាន់បាននំណើរការតាំងសំណួរដល់សាក់សីរូបនេះក្រោយពីបានសួរដេញដោលសាក់សីដោយដំណាងសាក់ព្រញ្ញាដែលមកដល់ពេលនេះសួរសំណួរសួរថាតើក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមមិនដឹងដល់នេះត្រូវការចំណាយពេលវេលាប្រហែលប្រមាណដែរក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនេះ ក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរដ្ឋនេះគួរគិតឡើងវិញការប្រើប្រាស់ស្នើសុំ3ម៉ោងហើយនឹងពេលវេលា6ព្រឹកហើយនឹង1រសៀលនេះក៏ខុសគ្នាដែរពេលវេលា1ព្រឹកມັນបាន3ម៉ោងទេការដេញដោលហើយរសៀលដូចគ្នាបាទតែ2ម៉ោងដប់នាទីទីអញ្ចឹងក៏3ប្រើប្រាស់នៅពេលវេលានឹងហើយការស្នើសុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសម្រេចលើសំណើសុំហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលត្រូវអនុវត្តនៅទីន
យើងនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងពេលវេលានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងជាអតិប្រមាលើកលែងតែមានហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងដូចយើងបានជួបប្រទះកន្លងមកជាពិសេសដោយព្រឹកនេះដែលយើងមិនអាចជៀសវាងបាននោះយើងនឹងដោះស្រាយដោយវិធីនៃការបំពេញបន្ថែមក្នុងករណីដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះហើយចុះក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផន យើងត្រូវការពេលប្រហែលជាមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងកន្លះយ៉ាងច្រើនបំផុតដូច្នេះសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើននៅការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីពេលវេលាប៉ុន្មាននេះហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើតរទៅទៀតហើយដើម្បីអង្គជំរះនឹងបានតែបានព័ត៌មាននេះដើម្បីគ្រោងនឹងការរៀបចំនឹងការប្រឆេទក្នុងកិច្ចដំណើរការសហការចំពោះសាក់សីរួមនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយ ការប្រើប្រាស់ពេលវេលាទៀតសោតនឹងឲ្យគ្លីសំលមមដែលនឹងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចដំណើរការសម្រាប់គាត់បានពីព្រោះបើសិនបើវែងពេកនោះវាអាចឆ្លងដល់សប្តាហ៍ក្រោយនោះក៏ជាការលំបាកមួយចំពោះកិច្ចដំណើរការសម្រាប់រូបគាត់ដែលត្រូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះលទ្ធភាពនេះអង្គជំរះប្រឹងប្រែងពិចារណាហើយនឹងរកដំណោះស្រាយ ណាល្អបំផុតដែលអាចទៅរួចបើសិនជាទៅមិនរួចទេនឹងចាំបាច់យើងត្រូវបន្តទៅពេលសប្តាហ៍ក្រោយនេះជារឿងចាំបាច់នៃការងារដែលយើងអាចខានមិនបានសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីសូមគោរពលោកប្រធានសូមធ្វើការបញ្ជាក់សារជាថ្មីរយៈពេលដែលត្រូវការនោះគឺ ខាងមេធាវីនៅមុខបានស្នើសុំរយៈពេល3ម៉ោងមិនក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំបាទមានការផ្អន់ច្រឡំបន្តិចបន្តិចបាញ់មិញគឺរយៈពេលនេះគឺឯកភាពដោយតែអ្វីដែលលោកអនុសាសនារបស់អង្គជំនុំជម្រះគឺរយៈពេល1ព្រឹកអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោង15នាទីទៅ2ម៉ោងកន្លះសូមអរគុណ បាទអរគុណឥឡូវដល់ពេលសំលមសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង3:10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ណការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់ទទួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់សម្រាប់អសាក់សីដល់សាក់សីនិងមេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់ផងហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ទៅខីកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3:10នាទីសម្រាប់ចុះ